Bonjour ma personne, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Mon nom est José Chinay Le Tafeu, je suis coach en développement personnel, je suis formateur en prise de parole en public. J'aide les conférenciers, les entrepreneurs ou toute autre personne à améliorer leur capacité persuasive, à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et bien sûr inoubliables. Je suis également auteur du célèbre livre du système D à l'entrepreneuriat. Dans ce livre, je mets en avant les compétences fondamentales au détriment des diplômes. Je partage avec vous mon parcours d'entrepreneur. Je vous montre les étapes que j'ai suivies pour quitter du stade de débrouillard à entrepreneur accompli. Comme le dit une définition assez populaire de l'histoire n'est rien d'autre que la connaissance du passé basée sur l'écriture. Depuis l'invention de l'écriture jusqu'à nos jours. Comme quoi la transmission passe par le fait d'écrire. Écrire pour transmettre, écrire pour informer, écrire pour inspirer, écrire pour marquer les temps, les époques et les générations. C'est pour cette raison que je te donne rendez-vous à cette édition jamais organisée dans la francophonie intitulée Le week-end de l'écrivain. Oui ma personne, si comme moi tu es passionné d'écriture, de lecture, d'entrepreneuriat, de prise de parole en public, eh bien, je t'invite à cet événement inédit qui se déroulera du côté du Hilton Hotel de Paris, samedi 8 octobre 2022, de 14h à 20h. Nous aurons des écrivains venus de partout dans le monde, des écrivains au parcours atypique, exceptionnel, qui partageront avec toi les secrets de leur réussite et surtout, qui te permettront d'entrer également dans l'histoire avec eux. Je terminerai mes propos en te disant qu'il y a des événements qu'on ne se laisse pas raconter. Il suffit d'un seul événement pour booster ta carrière, pour booster ton entreprise, pour booster ton mindset. Et je crois que le week-end de l'écrivain est l'événement qui te fera passer à un autre niveau dans tes affaires. D'ici là, ma personne, on se donne rendez-vous samedi à 14h. Porte-toi bien, on est ensemble. Allez, ciao!